Salut à tous les amigos et bienvenue, c'est Vivix. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de cette série de Let's Play sur Foundry. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai la forme. On se retrouve donc pour la suite de cette aventure. Au programme aujourd'hui, eh bien nous allons avancer dans les recherches et nous allons mettre de l'éclairage. Déjà, quand j'aurai fait ça, ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà en jeu. On va pouvoir regarder un peu les recherches. On va commencer par les lumières, puisque je vais commencer à installer de la lumière un peu partout. Voilà, on va lancer la recherche, mais elle est déjà terminée, puisque déjà j'avais assez de patience. Vous voyez, ça se remplit très très vite. J'ai déjà des patience en réserve, donc on va faire beaucoup de recherches très vite. Il va falloir que je mette en place, les mineurs à drone 2. Donc voilà, on va attendre qu'ils se re-remplissent. Et après, on verra. Voilà, on voit que les rouges sont... en train de se recharger, donc les rouges sont... Il n'y a pas beaucoup de stock dessus. Il y a du stock sur du bleu, mais pas sur du rouge. Bon, c'est pas grave, hein. On va attendre simplement que ça se fasse. Pendant ce temps-là, on va aller regarder les lumières. Les lumières. Alors, les lumières, il y a quoi? Voilà, j'ai débloqué les plafonniers et les lampes murales. Je vais en faire une de chaque pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Où est-ce que je vais les mettre? Avec la déco, ça serait bien. Voilà, on va mettre ça ici et ça là. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça, c'est une lampe murale. Donc, il faut la tourner. Vous voyez, quand on la pose ici, voilà, ça se met au mur. Ça éclaire, si c'est sur des blocs qui sont reliés, ça éclaire direct. Hein. Et les plafonniers, bah, simplement, c'est des lumières au plafond. Donc, je vais mettre des plafonniers déjà un peu partout. Je vais mettre des murales aussi sur tous les poteaux. Et bah, ça, dans les trois bâtiments. Donc, déjà, ça va me prendre beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Et voilà donc un bâtiment de terminé, toutes les lumières sont installées, bah déjà ça éclaire beaucoup beaucoup mieux que bien le sombre là-bas, hein, c'est très sombre. Là c'est encore un peu sombre mais on y voit quand même, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous montrerai de nuit ce que ça donne, c'est vraiment sympa. Et un petit peu de démolition, hein, ça fait partie de la construction. je me suis trompé dans mes calculs, donc il y a quelques colonnes qui n'étaient pas au bon endroit. Donc voilà, je les démonte et je les reconstruis. Bah, voilà, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Voilà, donc on est en pleine nuit. Voyez un peu ce que ça donne, un bâtiment éclairé. C'est quand même beaucoup plus sympa que le bâtiment qui est là-bas. Oh, wow, je suis tombé. Le bâtiment qui est là-bas, qu'on voit bien que bah, on n'y voit rien. Et là, bah, c'est bien éclairé, c'est propre. Donc là, les passerelles, pareil, je vais les éclairer de la même manière partout. Et ça fera vraiment une base très bien éclairée. C'est le but. Mais bon, une demi-heure le bâtiment, une demi-heure le centre. Je pense que voilà, j'en ai pour une heure et demie d'éclairage, quoi. Ça pique un peu. Ça, c'est un peu lourd à faire. Et c'est là où je remarque que j'ai eu... je suis bien content d'avoir changé de stratégie au niveau des vidéos et de ne pas faire ça en live. Parce que là, je pense que vous serez un peu embêté, je pense. Je dis ça, je dis rien, hein. Et voilà, ça fait une heure que je pose des lumières. Vivement que ça soit fini. Et deux bâtiments terminés. Allez, on attaque le troisième. C'est laborieux quand même. Hein. Oui, la dernière lampe est posée. Enfin. Alors, dernière lampe, oui et non, parce que j'aimerais bien poser des lampadaires aussi en bas. Des lampadaires ou des lampes murales? Non, des lampadaires, ouais. Donc je vais faire quelques lampadaires et je vais les poser en bas. Et voilà, normalement c'est éclairé partout, les lampadaires sont posés, toutes les lumières sont posées. C'est fini. Ça m'a bien pris quasiment une heure et demie, je pense. Hein. Donc il y a quand même du taf. On va s'arrêter là, ça sera un tout petit épisode pour vous, puisque je pense que ça fait que quelques minutes. Ça sera un épisode spécial lumière, il va passer très vite pour vous, tant mieux. Et on va très vite passer à l'épisode d'après. Alors là, ça faudra attendre un petit peu, malheureusement. Mais du coup, épisode d'après, on va non seulement avancer dans les recherches, mais en plus, eh bien, on va commencer à remplacer le matériel, les mineurs niveau 2, les constructeurs niveau 2, les convoyeurs niveau 2, et on va voir des nouveautés aussi au niveau des productions, des chaînes de production, donc il y a du taf. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, des commentaires, si vous avez une question ou des suggestions, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi, et on se retrouve donc très très vite pour la suite de cette aventure sur Foundry. Ciao, bye bye tout le monde.